bonjour. J'ai pris connaissance de la programmation et de la nouvelle édition du festival et je trouve ça absolument formidable. Dans la programmation, il y a des films que j'ai jamais vus et que je serais très heureux de venir voir si j'étais libre et que je pouvais passer quelques jours avec vous. Mais parmi les films que j'ai vus et que j'ai adorés, il y a un film qui est sans doute un des plus beaux films que j'ai vus cette année ou l'année dernière, enfin récemment, qui est La Grande Bellezza. Que je prononce avec accent, La Grande Bellezza, parce que c'est un film qui semble échapper à chaque instant, dont on ne sait même pas comment ça se raconte, comment ça s'écrit, comment ça se met en scène, et dont tous les plans sont absolument soufflants d'émotion. C'est sans doute le plus beau film sur l'Italie, et sur Rome en l'occurrence, que j'ai vu depuis les films de Fellini. C'est vraiment inspiré, drôle, émouvant, bizarre, décalé, inventif. Vraiment formidable. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de ce festival. Et puis, j'ai vu un film qui m'a dit qu'à moitié grand-chose, qui s'appelle Les Drôles de Poisson-Chat, qui est un film mexicain que j'avais vu au festival de Giron, dont j'étais le président en Espagne en novembre dernier, qui est un film qui a une humeur avec toute une famille dans une maison, mais il y a une humeur vraiment amusante, enfin, il y a quelque chose de léger, de très émouvant aussi, de très très émouvant évidemment, avec la vie de toute une famille. Ce serait pas juste de passer sous silence le film de Stephen Frears qui s'appelle Philomena, qui est absolument formidable. Enfin, Frears c'est très talentueux. Les deux acteurs sont extra. On pourrait penser quand on lit le résumé du scénario que ça va être ennuyeux ou lourd ou triste. Et ça n'est jamais ennuyeux, ça n'est jamais lourd, c'est souvent triste, mais c'est d'une très belle tristesse. Et puis il y a ce film, et je suis très heureux que ce film soit programmé à Paris. Je voudrais vraiment que la salle soit pleine pour aller voir Au bord du monde, parce que c'est un film que j'ai toujours été touché, intéressé, concerné, je ne sais pas comment dire, par les SDF et leur vie. Et ce film est sans doute ce que j'ai vu de plus intelligent et de plus abouti sur ces conditions de vie intolérables, les SDF, ceux pour qui le dehors est un dedans. Et le film a une dignité, une émotion. Enfin, j'étais ému, pour ne pas dire en larmes. Donc, allez voir ce film, et je vous en supplie, ne dites pas « Oh, c'est des SDF, ça va être barbant ». Non, non, allez-y, vraiment. Voilà, bon festival.